Salut à tous, on se retrouve sur Memoria pour la suite de Final Fantasy XII. Donc on va continuer notre petite chasse. On s'était pris un petit peu la tête avec le dragon, le temps de le trouver. Donc cette fois-ci j'ai un petit peu préparé le terrain. Donc j'ai juste pris en fait la zone dont... Oula, Ninja là-bas. Donc j'ai pris la zone en fait où je trouvais les monstres qu'on allait chasser. Donc là je suis directement venu pour le viral. Une chasse de rang 2, je l'ai vue et j'ai lancé l'enregistrement. Allez. En deux coups, il va se faire exploser. Ok. Allez, punaise. Mais bon, c'est un rang 2, donc c'était pas... Y a pas de challenge, on va dire. Allez, on passe au suivant. Il y a plein de coffres ici. C'est vraiment pas mal. Donc, entre maintenant et le dernier épisode, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réarrangé les gambits parce que c'était pas ça. Alors on va essayer de fuir le plus rapidement possible. Donc j'ai juste arrangé les gambits. Je me demandais est-ce que on essaye de choper quelques invocations. Bon, Adramalek lui il se ferait ouvrir, c'est pas du jeu. Il y a une invocation au col de Mosphor. C'est la balance, je crois. J'ai oublié son nom. C'est un juge, en tout cas. Ouais, non, le background des invocations, moi, je l'adore. Je l'adore, tout simplement. Donc, ils ont essayé de combattre, en fait, les anciens dieux, mais ils se sont... Enfin, là, je résume, hein, ils se sont fait avoir. Enfin, ils ont pas réussi à renverser les anciens dieux. Donc, certains ont certains rôles. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais les faire dans l'ordre au lieu de faire que des 5 parce que je sais pas comment ça se débloque. Bon, là il faudrait la rendre, mais il faudrait qu'on aille. Ok, Jarta. Ici c'est Burmiseis. Et il y en a deux là-bas ou pas? Je crois qu'il y en a deux. Le flageller. Ok. Attends, Cheryl, c'est où déjà? Enfin, Cheryl plutôt. Dans l'armurerie de Rabanastre. Okay. Ah oui, c'était le garde. Le garde d'Arcadia. Non, on passe au gardé. Chinoise. Désolé pour cet écran noir. Allez, on se téléporte. Rabanastre. On va rendre la quête, comme ça on passe à autre chose. Donc ouais, l'histoire avec les invocations, c'est juste excellent. Téléporteur, on va aller à la mer de sable. Le truc c'est qu'en éditant la vidéo, il y a moyen de faire toutes les quêtes en une vidéo en fait. Mais c'est du travail. Enfin, couper début, couper la fin. Non, finesse, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas grave, regardons le tableau. Il y en a une de disponible, niveau 4. Roby. Golem, Nalbina. Ok. Ouh, un rang 6. Oh, ça c'est cool. Il paraît qu'une terrible créature rôde dans les terres mortes de Nabreux. Je ne peux supporter l'idée que ce monstre souille ma patrie. On va accepter. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve donc au faubourg de Nalbina. Ok. D'accord. En fait, la rang 5 que je voulais faire se passait dans le passage de Barnhem. Parce que c'est une zone qu'on n'a pas vue ensemble. Parce que je l'ai débloqué tout seul dans mon coin. J'essayais d'obtenir quelques objets qui étaient dans le passage. Et au fond de ce passage, il y a une invocation. Je sais pas si c'est Zalera, mais... Non, pourquoi je viens acheter des trucs? Je cherche le garde. Où est-ce qu'il est, le garde? Ah, punaise, c'est de l'armurerie. Moi, quand j'entends armurerie, j'entends armure. Mais aussi arme. Non, enfin, j'ai pas d'excuses. Allez. Ils étaient ici. Ok. Coucou, Cheryl. C'est vrai, t'as vaincu la vouivre souveraine? Alors, Rabanas te doit une fière chandelle, petit. Après ton départ, je me suis dit que j'avais peut-être dramatisé la situation. Mais non, parlons plus.
tu as fait un travail remarquable, voilà ta prime. Ok. Un arc elfique, un bouclier magique. Le bouclier magique, il m'intrigue. Je crois que j'en ai déjà. On va aller ici. Bouclier magique. Ouais, c'est ça, c'est celui qui donne barrière. Ok. Permanent. Allez, chasse suivante. Dossier du clan, liste des contrats. La mousse blanche, c'est une quête importante parce qu'elle donne la clé donc des écluses. Là, on peut obtenir Adramalek. Adramalek, qu'est-ce que je raconte? Kushulain. Alors, danger. Donc celui-là, je l'avais déjà faite. J'avais buté Xtab. Donc on va à Burmnisace ou on va rendre ça? Parce que quand on va rendre ça, on va aller à Burmnisace, il y a deux quêtes là-bas. Donc le mec, où est-ce qu'il se trouve? Ok, au début. J'ai préparé les quêtes, mais pas tout. Donc là, si je l'en... Ouh, c'est une rang 5. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve au fond. Ok. Et il nous dira où se trouve le monstre. Ok. Bon, on va aller à Burmnisace. D'accord. Et on va faire ça. En fait, tout ce que je veux pas, c'est galérer à trouver le monstre, en fait. Donc c'est pour ça que je dis préparer, mais... Mais sinon, tout seul, en fait, les quêtes, c'est pas... On n'a pas besoin d'un guide pour faire les chasses. Sauf pour certaines chasses un petit peu spéciales. Où là, il y a une personne qui nous accompagne. Allez, se téléporter, Burmnisace. Sanctuaire, allez. Ok, alors il faut que je trouve quelqu'un avec Imus, voilà. Vous avez vu l'annonce? Alors est-ce que vous acceptez de chasser le cœur le sombre? Ouais. Mille merci, ce monstre a fait trop de victimes. Oula. Ce monstre a fait trop de victimes parmi les pauvres airs qui ont quitté le sanctuaire par crainte d'une nouvelle attaque de l'Empire. Selon les derniers rapports, il serait dans le sud des gorges de Paramina, près du temple de Milan. Je vous en prie, débarrassez-nous vite de lui. Ok. Donc au sud, près du temple de Milan. Bon, je sais déjà dans quelle zone est-ce qu'il est, hein, mais... Je fais genre... Suspense, tout ça. Gorge de Paramina, donc le temple, ici. Non. Échine de... Rivière gelée. Non, c'est les glaces éternelles. Je trouve dans la glace éternelle, donc je sais pas. Ok, finalement ça promet. J'ai pas découvert cette zone. Mais je devrais peut-être acheter la map, hein. Je suis en x2. Ok. Donc là, on va essayer de trouver donc l'autre personne avec son monstre en niveau 5. Enfin, rang 5. Oh là là, finesse, le temps il passe, mais super vite quoi. Déjà 8 minutes. C'est juste abusé. C'est ici, il faut trouver quelqu'un avec un nom. Non, c'est pas toi. T'es pas assez important, toi non plus. Je crois que c'est cette personne-ci. Ivanus, ok. C'est le destin qui vous ramène à Burmnisace. Vous venez pour l'annonce du psychodémon? Ouais. Ce monstre est un puissant magicien que sa quête d'une force toujours plus grande a fait céder au mal. Il s'agit d'Ashcroft. D'Ashcroft, mon frère jumeau. Ouh! Il y a 10 ans, les ténèbres dévorèrent son cœur avide de pouvoir. Sa grâce d'Anastasis, waouh, dut sceller sa mémoire et le chasser de Burmnisace. Mais depuis la disparition du grand pontife, mon frère m'apparaît en rêve sous l'ignoble forme d'un psychodémon errant dans des plaines arides. Je sais où c'est pas le même, à Gilveillan, la mythique cité perdue, sanctuaire interne. Il veut passer la porte du feu pour trouver les immortels. Il faut que vous l'arrêtiez. Je vous en prie, sauvez son âme, mettez fin à ses tourments. Ah là là. On va un petit peu l'exorciser, hein. On lui marre avant la gueule, ça va être bien, ça. Ok. Donc, il essaie de passer la porte de feu. Punaise, il se trouve à Gilveillan. Non, cette zone, elle est... ouais, elle est un petit peu chaude. En plus, c'est une zone qu'on a déjà vue. Donc, je ne sais pas.
Bon, on va voir, est-ce qu'on va trouver déjà les glaces éternelles? Pour rapidement faire le curl. Je vais prendre un chocobo, 600 giles. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va mettre la map et on va accélérer. On va essayer de découvrir le plus possible. Ce qui est bien, c'est que l'accélération est conservée dans les changements d'écran. Et c'est là que le jeu me dit non, 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 c'est quoi. Et je vais te contredire. Allez, là je regarde pas du tout le paysage. Ouh, un élémentaire. Oh, je les adore ces élémentaires. Je les adore. D'une part parce qu'ils m'ont traumatisé. Ah voilà, donc il se trouve ici. Ok. Donc on va aller dans le sud. Bah c'est la seule zone que j'avais pas découverte, hein, tout simplement. Un autre élémentaire. Oh punaise. Est-ce qu'on se le fait? Allez, on va se le faire. Juste pour le plaisir. On descend. Par contre, ce qu'on va faire, on va le voler. Non, 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 faut que vous vous calmiez, les gars. Je vais enlever tout le monde. Ouais, je fais le contraire de ce que je veux faire. Ok. Tes gambits, ils sont comment? 100%, tu vas voler. Ah oui, non, il est... Esprit de Celsius. Oh, seulement. Ok. Allez, Pénélo, on y va. Oh non! Oh non, je suis distrait. Bah oui, non, on s'est fait one shot. Il a son miroir. Ah, punaise. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais dû me contenter. Non, 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 tu vas attaquer, s'il te plaît. Immunité aux attaques. Ok, il a plus son bouclier. Ok, t'es mort. Tu méritais de mourir. Allez, vas-y. Je vais juste lui rajouter une petite gambite. Punaise, j'aurais jamais dû, quoi. J'aurais jamais dû vulnérable à la foudre. Tu fais foudre 2. Ok, comme ça, j'ai 3 mages. Allez, vas-y, Pénélo, montre-leur c'est quoi un mage. Non, non, mais elle fait des dégâts de fou. C'est juste excellent, Pénélo. Elle a dépassé la barrière de... Ah oui, c'est Gambit. Elle a passé la barrière des 9000. Mais j'ai... Ok, tu sais quoi? Parce que là, c'est très très pénible. On va mettre... Mais non, mais il faut jamais s'attaquer à ces monstres. Ils sont juste géniaux. Et ils nous font jamais de mal. Donc je vais mettre... Collier de rose. Ça me protège du silence. Parce que sinon, je pourrais jamais le buter. Je vais prendre 10 heures à le buter. Quoi. Ok, maintenant, je suis endormi. Eh oui! Je le dégomme, mais comme pas possible, hein, mais. Tout à queue de phoenix. Ok. Finesse. Je vais me prendre un game over, hein, je le sens. Non, on va quand même pas aller jusque-là. Je vais. Là, ça devrait aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Malthier, tu peux attaquer pour voir? Parce qu'il a une immunité là. Non, tu sais quoi, j'abandonne. Il est trop trop fort pour moi. Et il va pas me. Il va pas me désactiver. Oh finesse. Oh non. Et j'ai plus de personnage, hein. Franchement. Waouh. Je vais prendre un game over. Game over. Ok. Waouh. Non, c'est ce qu'on appelle du...
Non. Non. Non, mais je l'adore quand même. J'ai essayé de faire le malin. Et c'est pas passé. Allez. On est reparti. Donc là, la sauvegarde auto. Voilà. Bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. On va essayer de trouver le curl. Non, on va l'éviter cette fois. Ah mais il devrait être ici le curl. Oh là là, il m'a vite pourri hein ce mec. Il m'a vite pourri. Attends, regardons un peu là la quête. Liste de contrats. Alors. Par le curl sombre, le monstre se trouve au sud des gorges, près du temple. Donc près du temple, c'est pas ici. Mon info serait... parce que le temple est vers le sud, donc ça serait ici. Ah, il y a peut-être... Okay. Non, je sais pas. Ok, allons par là. Ça m'étonnerait que ce soit par ici. Delta 2, je sais pas quoi. Et je vais peut-être couper en attendant de le trouver. Je vais faire ça. Ok, on se retrouve donc ici, à l'échine du dragon de glace. J'ai dû relancer la partie parce que il est là. Et le temps que je lance l'enregistrement, bah, il était mort. Allez, on regarde ça. C'était un curl sombre. Voilà, deux coups. Et c'est fini. Ouais, non, l'info que j'ai eue sur le site n'était pas bon. Ok, donc là. L'autre, il se trouve à Jill Vegan. Parce qu'il faut... Oh là là, aller à Jill Vegan, mais c'est passé des... C'est passé plein de zones. Donc c'était qui? C'était le psychodémon. Ouais, la porte de feu. Enfin, attends, regarde. On va regarder la map parce que la porte de feu, j'ai l'impression que c'est dans le fond en fait. Avant qu'on arrive au cristal, mais c'est pas. Porte de l'eau, porte de la terre. Hydromarche, ouais, c'est ça, il faut qu'on passe tout ça. Et là, c'est la porte du feu. Ok. Ce que je vais faire, je vais faire un saut. Tout simplement. Donc on se retrouve à Jill Vegan. Ok. Donc là on est à la porte de feu. Du feu plutôt. Donc on va... On va chercher le psychodémon. Ça se... Enfin, on le remarque très vite, c'est une plus grosse boule que les autres. Donc... Donc voilà. Allez, on prend ça quand même. Mais non, je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il faut être là? Là où on a combattu le boss. Ça montrerait qu'il essaie de rentrer donc dans le cristal et rencontrer les immortels. Les Ocuras. Ok, alors gauche ou droite? Je prends tout le temps à gauche parce que je pense que cette fois-ci il est à droite. Ah là là, les morboles. Ah non mais... Ah, elle fait de ses dégâts. C'est juste abusé quoi. Ah, d'ailleurs j'y pensais. Les... Enfin mes persos ils ont un bon level. Donc je sais pas si c'est intéressant de regarder les chasses qui se font en deux coups. Mais je pense que... Enfin bon, là j'ai fait des chasses de niveau 2 et niveau 3. Donc c'est normal qu'ils se fassent exploser. Mais le truc c'est que c'est vraiment difficile de faire les chasses.
quand on suit l'aventure en fait. C'est vraiment difficile. Parce que la plupart du temps, soit il nous explose. Ah, il est là. Le psychodémon. On va essayer. Ah, bah il nous a aggro. Bon bah. Mais il va. En 5 coups, il est mort. Oh là là, 1200. 1200, ce serait. Ça me choquerait aussi, 1200. Psychodémon, vaincu. Non, elle fait 12223 de dégâts, c'est juste abusé, quoi. Ok. Donc, ouais, bah, non seulement elle a la Fury, elle a Solaris, mais elle a aussi Bravoure, en fait. Donc, mais il y a tout à fait moyen d'avoir des persos cheatés. Bas level. Il y a un arc, mais je ne l'ai pas obtenu. Il y a un arc qu'on peut obtenir grâce à un coffre invisible qui lui fait des dégâts mais complètement fumé. Donc ce qui fait que même si vous êtes bas level, vous pouvez commencer à farmer des objets pour Solaris ou des trucs comme ça. Peut-être que je ferai un jour le bug pour l'avoir, mais pour l'instant c'est pas dans mes plans. Ok, bah là je vais faire un saut, on se retrouve donc à Beuromnisseis. Au sanctuaire. Alors, vous avez vaincu le cœur le sombre. Formidable, c'est une menace de moins pour Beuromnisseis. Feu sa grâce, Anastasis s'en réjouit sûrement. Bien sûr. Dans son cercueil, il doit être content pour vous. Si cercueil il y a, je me rappelle plus s'il y avait un corps. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Avec les plusieurs coupures, je sais pas du tout combien de temps va faire la vidéo. Faudrait que je l'upload, enfin que je la monte et l'upload pour ce soir. Enfin, ou plus tôt en fait. Donc voilà. Donc essayez de me dire si. Si jamais vous voulez voir la suite des quêtes, les chasses. Ce qui est sûr à 100%, c'est que les niveaux 6 et niveau 7, et certains niveaux 5, je les enregistrerai à coup sûr. C'est juste que. Et je préfère tout faire, même par exemple celle-là qui fait un rang 3, on va l'exploser. Mais j'aimerais vraiment tout faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On va parler à Ivanus. Ton frère repose en paix. Vous avez sauvé l'âme de mon frère Ashcroft. Je vous remercie en son nom. Puissiez-vous ne jamais connaître le même sort que lui. Ceux qui se laissent aveugler par le pouvoir sombre irrémédiablement du côté du mal, plongeant leurs proches dans le chagrin. Ouh, éclat de ravage et balles noires. Me dis pas que c'est des balles de cécité, ça me ferait. Ah, élément ténèbres. Ok. Bah ça, c'est cool. C'est pas mal. Ok. Donc là, je vais arrêter l'épisode ici. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut.